Wow. 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 Noni. Bon, les gars, vas-y, on va faire un petit Lucky Landing. Alors, j'ai encore la traînée, j'ai encore oublié de l'enlever. Bref. Bon, en gros, là, cette petite vidéo là pour vous parler un petit peu de peut-être d'un nouveau setup qu'on peut avoir si vous n'avez pas de pompe, si vous trouvez pas de pompe adéquate, c'est-à-dire le nouveau pompe, hein, parce que le tactique, en gros, moi je trouve que personnellement, c'est un pompe de merde. Ouais, et ben tout simplement, vous pouvez utiliser le double gun. Vraiment, si vous avez un peu d'IM, après c'est une arme qu'il faut un peu train parce que c'est pas facile, facile quoi. Mais faut pas rater ses balles quoi. Faut vraiment pas rater ses balles. Mais en vrai, si vous ratez pas vos balles avec le double gun, ça peut faire des massacres hein. Plus que le tactique. Gris, vert, bleu, je sais pas. Le tactique bleu a l'air quand même un peu OP. Même s'il est possible de mettre un 4. En parlant du loup. Il est là le loup. Tourelle, non? J'ai entendu une tourelle se poser, les gars. Qu'il y a un mec quelque part ici. Rends pas fou l'escalier là. Si j'y vais, je vais me faire backstab. C'est sûr. Voilà, on est content, j'ai mis un 13. Un 3. Ah, c'est incroyable. Mais gros, c'est vraiment de la merde cette arme, c'est ouf. Bon bref, là on a vu que le tactique c'était nul à chier. Bon, y a ça. Donc normalement je le prendrai. On est à la recherche du double gun. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Donne-moi le double gun. Non, en vrai, je pense que même contre un tactique bleu, je prends le double gun. Hein. Sans déconner, les gars. Sans déconner, oh. C'est vraiment nul. Ce tactique-là. Oh la zone. Ah, Berk. Bon bah du coup je vais prendre ça.
Et là, je vais prendre ça. Et là, je vais me casser du coup. Tout simplement, hein. Vas-y, ça me rend fou. Par contre, je sais pas pourquoi il est hyper rare, quoi. Désolé, gros. Il faisait sa mission. Gros, j'ai pas fait exprès. Je suis vraiment désolé. Je pensais que t'étais agressif. En même temps, en gros, tu sors de ta boule à côté de moi. Qu'est-ce qui t'arrive, wesh? Bah par contre pas de double gun les gars donc la silex aussi plutôt pas mal hein. Ah. Oh, y a un double gun, il y a un double gun les gars, yes, olé. Bon, en vrai c'est pas worth it en comparaison à ça quand même. Mais si tu le gères bien, ça peut être worth it même en comparaison à ça. Donc bon, attendez, on va quand même essayer de bien jouer. Lui il rend fou avec son barrette en haut là. Je crois qu'il m'a vu. Oh, je vais me la prendre dans la gueule. Ouais mais gros, mais qu'est-ce que tu fais frère? Faut jamais faire ça les gars, genre vous rentrez dans la box de quelqu'un, c'est stupide. C'est stupide man. Je comprends pas pourquoi ils font ça tous. Ils croient faire quoi là? Il y a un escalier, il y a... Je sais pas. Bon le mec au barrette par contre il va falloir qu'il se... Qu'est-ce que... C'était quoi l'idée là?
Ça va être sympa que tu rebuildes un peu trop, toi. Voilà. Eh ben voilà, ça c'est pas mal. C'est une vidéo qui remet en confiance, on fait un petit top 1. J'arrive à vous expliquer le double gun. Moi, je crois que j'ai pas trop parlé à un moment, mais bon, c'est pas grave. Enfin, en gros, là, moi, j'ai un peu forcé en le prenant, tout simplement parce que bon, j'avais une pompe et tout. J'avais un pompe de guerre, un nouveau pompe violet qui est très fort. Hein. Mais c'est vraiment pour vous montrer que cette arme-là, vraiment, peut faire le taf, quoi. Vous pouvez le coupler avec par exemple le pistolet à silex, tac, vous mettez un 80, après vous touchez 2-3 fois avec le double gun et bam, c'est fini quoi. Bon bref les gars, je pense qu'on va clôturer cette vidéo maintenant, ok oui. Allez, ciao guys.